Lorsqu'on vit en Europe et qu'on est africain, il y a une chose que tu dois garder à l'esprit, c'est que tous les noirs ne sont pas tes frères. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu viens de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Deuxièmement, de cliquer sur la cloche des notifications. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce, ma personne, qui n'est pas des moindres, c'est que ce 8 janvier 2022, j'organise un AL Talks de très haut niveau qui s'intitule « Comment fixer un objectif ?» et l'atteindre cette année. Ma personne, tu démarres une nouvelle année. Si jamais tu veux que ton année soit réussie, il est capital que tu prennes le temps de te fixer des objectifs. On a tous des rêves, mais le rêve, c'est vague, c'est vide, ça n'a pas d'énergie. Mais si jamais tu veux vraiment être transformé, il faut que tu apprennes à te fixer de véritables objectifs. Parce que le rêve inspire, mais c'est l'objectif qui transforme. Donc si jamais toi aussi tu veux te fixer, tu veux savoir comment te fixer, tes objectifs vont te transformer au cours de cette année, tu as une chose à faire, c'est aller directement en description ou contacter le numéro qui s'affiche ici ou cliquer tout juste en haut là, voilà, pour réserver rapidement ta place pour ce AL Talks, cette web conférence qui va être de très 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 haut niveau. Petite précision, cette web conférence est entièrement gratuite pour tous les chercheurs d'argent certifiés. Pour le reste, c'est payant. Sur ce, ma personne, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme je te le disais en introduction, l'une des erreurs que beaucoup d'entre nous, Africains de la diaspora, commettons lorsqu'on arrive en Europe, c'est de penser que, comme nous sommes noirs, tous les noirs sont nos amis. Donc, dans cette vidéo, ma personne, je vais partager avec toi 8 clés pour réussir ta vie en Europe lorsque tu viens et Africain. Première chose à garder à l'esprit, c'est que tous les noirs ne sont pas tes frères. Et oui, ma personne, parce que ça, c'est... En général, les gens ont envie de s'assembler aux gens qui leur ressemblent. Et en général, lorsqu'on arrive en Europe, on croit que tous les noirs sont nos amis, tous les noirs sont nos frères. Dès qu'on voit un noir, on veut faire ami, ami. Non. Non, 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 non. Parce que je connais des amis qui se sont fait arnaquer par leurs propres frères africains ou noirs. De ma personne, lorsque tu arrives en Europe, tes frères, tes amis, tes cousins, ce sont ceux-là avec qui tu partages les mêmes valeurs. Si ce sont des Noirs, tant mieux. Ce sont des Européens, c'est aussi très bien. Ce sont des Asiatiques, c'est très bien. Mais tous les Noirs ne sont pas tes frères. C'est pas parce que tu vois un Noir dans la rue que forcément vous allez commencer à, être amis, tout partager. Non. Non. Il faut toujours garder ça à l'esprit. La deuxième clé, si jamais tu vas avoir une vie réussie ici en Europe, c'est que il faut toujours garder à l'esprit que tu n'es pas un Européen. Peu importe le nombre d'années que tu as mis ici en Europe, que ce soit en France, en Espagne, aux États-Unis, bref, tu n'es pas un Européen. Il faut que tu gardes à l'esprit que tu es africain. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce que on a souvent des gens, oui, parce que peut-être qu'ils sont nés ici, peut-être qu'ils ont la nationalité, ils commencent à se penser qu'ils sont plus, je vais parler de la France parce que c'est la France que je connais bien, ils deviennent même plus français que les Français, ils commencent à renier leurs origines. Et très souvent, ils sont mal dans le fait qu'on leur rappelle toujours que ben non, tu es Camerounais, mais non, tu es Guinéen, mais non, tu es Burkinabé, tu es Ivoirien. Du coup, à chaque fois qu'on leur rappelle, ils refusent. C'est pour ça que beaucoup nourrissent de l'amertume à chaque fois qu'on leur dit. Si tu renies le fait que tu es Africain, peu importe le nombre d'années que tu as mis ici, eh ben la société te le rappellera bien. Oui, la preuve. Même si tu es... quand je vais au foot, souvent, j'ai des amis qui sont nés ici, grandis ici, ils sont Sénégalais. On dit toujours les Sénégalais. Et si tu renies cette nature-là qui est tienne, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas nourrir de l'amertume toute ta vie. On ne demande pas de ne pas être à l'aise, de ne pas prendre ses marques, non. Mais c'est toujours de se rappeler que tu n'es pas un Français. Non. Tu es naturalisé français, tu as grandi en... Oui, mais... Tu ne peux pas être français plus qu'un français d'origine. C'est pas possible. C'est une réalité qu'il faut que chacun accepte. Et tu vas voir, une fois que tu auras accepté cette réalité-là, tu te sentiras beaucoup mieux. Et il n'y a aucune honte à être Camerounais et vivre en France. Il n'y a aucune honte à être Congolais et vivre en France. Il n'y a aucune honte à être Ivoirien et vivre en France. Il n'y a aucune honte à ça. Il faut juste l'accepter. Ensuite, troisième clé, si jamais tu veux avoir une vie
épanoui en France et réussi sans problème, je vais te rappeler que tu n'es pas chez toi. Non, je suis désolé. Tu n'es pas chez toi ici en France. Je suis désolé. Non. C'est pour ça que j'ai dit tout. Parce que moi, j'ai fait un tour dans les maisons de retraite et j'ai quand même fait un constat. C'est que je n'ai pas vu beaucoup de personnes âgées dans les maisons de retraite. Je n'ai pas vu beaucoup. Et je me suis amené, j'ai commencé à me poser des questions. C'est là que je me suis rendu compte que tu le veuilles ou pas, que tu le veuilles ou pas, peu importe le nombre de temps que tu auras passé en Europe, à un moment donné, dans ta tête, il va avoir l'appel, l'appel de retour au bercail. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, tout ce que tu fais ici, c'est vrai, tu gagnes de l'argent, tu as un bon job, tu as une vie de famille. Pense, prépare déjà ton retour au bercail. Ou du moins, si tu n'as pas envie de t'installer, il faut quand même avoir un pied à terre sur place, de l'enseigner que tu puisses faire tes voyages aller-retour comme ça. Mais il faut absolument que tu penses à avoir un pied à terre dans ton pays d'origine. C'est super, super, super important. Parce que je dis souvent que un jour ou l'autre, ça peut péter ici. C'est un peu comme ça s'était passé à... bon, on dira qu'il y a eu la guerre, mais en Algérie. Quand il y a eu la guerre d'Algérie, il y a beaucoup de Français qu'on a rapatriés. Français nés en France, nés en Algérie qu'on a rapatriés en France. C'est eux qu'on appelle les pieds noirs. Donc, ça peut péter un jour si on nous chasse, nous tous. Je ne sais pas si tu vas appeler ce que je veux dire. Ça peut arriver. Donc, c'est super important d'avoir un pied à terre. Et même pour tes futurs enfants, c'est important qu'ils puissent savoir d'où ils viennent pour éviter certaines frustrations que beaucoup d'autres vivent lorsqu'ils sont nés ici, grandis ici. Pour la simple raison qu'on ne leur a pas appris qui ils sont, d'où ils viennent, quelles sont leurs origines. Donc, pensez toujours à avoir un pied à terre sur place. Quatrième clé, si jamais tu veux vraiment t'en sortir en Europe, c'est qu'il faut absolument que tu intègres une communauté ou une association où il y a des Africains. C'est super important. Moi, je vois souvent ces Africains-là qui arrivent ici, ils deviennent des sachants, ils disent non, 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 moi je veux pas trop fréquemment me mêler aux Africains, aux Noirs, ils ont trop de problèmes bizarres, rien. Ma personne, le jour que tu auras un vrai problème, les premières personnes qui vont te soutenir, ça sera ces mêmes Africains-là. Parce que je suis désolé, mais il y a des trucs qu'entre nous africains, on n'a pas besoin de parler pour comprendre. On a quand même beaucoup de points en commun. Je vais me prendre peut-être des rites mortuaires, quand il y a des deuils et tout. Il y a beaucoup de choses que nous on comprend, on peut facilement discuter par rapport à ça. Mais les Européens ne peuvent pas comprendre ces réalités-là. Et toi, par moment, tu as besoin de te retrouver avec les tiens. C'est super important que tu intègres une communauté. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire avec un Européen. Parce que pour lui, ça ne passe pas. Même si c'est ton mari, dans sa tête, ça ne passera jamais. Mais avec un Africain comme toi là, les Africains de la même communauté, vous pourrez comprendre facilement parce que vous vivez les mêmes réalités. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tu arrives en Europe, débrouille-toi pour intégrer une communauté où il y a des Africains. C'est super important. Même si tu n'es pas là tout le temps, au moins qu'on sache que tu es là, que tu as des contacts, parce que ce sont des choses qui vont énormément t'aider. Même si tu veux te lancer tes business en Afrique, c'est eux qui vont te donner des tuyaux, des petits réseaux. Moi, aujourd'hui, mon photographe, il est d'origine gabonaise. Moi, je l'ai eu. Comment j'ai eu son contact? J'ai eu son contact par un ami avec une somme dans une association des étudiants africains d'Aix-Marseille. C'est comme ça que j'ai eu son contact. Et les tarifs qu'il fait sont vraiment, franchement, c'est à notre portée. Parce que je serais allé chez un autre photographe. En l'occurrence, européen, ça aurait été une autre histoire. Dans ma personne, il faut absolument que tu intègres une communauté africaine lorsque tu es en Europe. Ensuite, cinquième secret ou cinquième clé, si jamais tu veux t'en sortir en Europe de manière efficiente, c'est de ne jamais... Écoute bien ce que je vais te dire. Je vais enlever mes lunettes pour que tu comprennes bien. Il ne faut, lorsque tu es parent ou bien tu es grand, je sais pas quoi, il ne faut jamais, je dis bien au grand jamais, critiquer l'Afrique et les Africains devant tes enfants ou les personnes en bas âge. Il ne faut jamais le faire. Il ne faut jamais le faire. Parce que déjà, ce qui se passe, c'est que à l'école, on enseigne à nos enfants que l'Afrique est pauvre, les Africains sont, il y a la misère, machin truc. Déjà ça, ils ont un bourrage de crâne. On leur montre déjà, on leur explique que vos ancêtres sont moins que rien. C'est déjà ce qu'on leur explique dans les livres d'histoire. Ensuite, à la télé, à chaque fois qu'on diffuse les images sur l'Afrique, ce sont des enfants qui ont faim. Fais une petite expérience. Va sur YouTube, Google, tu tapes famine. Les premières photos que tu vas voir, ce sera les photos d'enfants en Afrique. Donc, quand un enfant voit sur Internet, à l'école, à la télé, à chaque fois qu'on lui parle de l'Afrique, c'est toujours les problèmes. Les guerres, la famine, la corruption et tout. Du coup, mais dans sa tête, l'esclavage, déjà, ça fait beaucoup. Et si toi, encore le parent, tu rajoutes une couche quand il arrive à la maison, comment est-ce que tu veux qu'il fasse... Comment tu veux qu'il aime la culture africaine? Comment? Ça devient compliqué.
D'ailleurs, j'ai une amie qui a une fille, qui a une petite chaîne YouTube où elle s'amuse souvent. Et un jour, je regardais une de ses vidéos, elle expliquait qu'elle est métisse, sa mère est noire et son père, c'est un Européen, quoi, c'est un blanc, voilà. Et elle disait que, bon, elle faisait une vidéo sur Black M et tout. Elle disait que d'habitude, elle n'aime pas les noirs, elle est métisse, sa mère est noire. Elle disait que d'habitude, elle n'aime pas les noirs, mais Black M, elle aime bien. Donc, quand j'ai regardé ça, j'ai appelé sa mère, je lui ai dit, mais est-ce que tu as vu la vidéo que ta fille a postée? Elle me dit non. J'ai dit, regarde la vidéo, écoute à telle minute, écoute ce qu'elle dit. Et c'est là que j'ai dit à sa mère, moi je vous entends souvent parler de la communauté africaine quand vous discutez. Et c'est parce que c'est à cause de vos discours là que vos enfants en arrivent à de telles conclusions. Et ah oui, vous avez vos idées de l'Afrique. Parlez entre vous, mais quand les enfants sont là, faites attention. Faites très attention à ce que vous dites sur l'Afrique et sur les Africains. Parce que ça bâtit leur imaginaire, leur perception qu'ils ont de l'Afrique. Ne soyez pas surpris que demain vous disent qu'elle n'aime pas les Noirs. Pourquoi elle ne devrait pas aimer les Noirs? Je vais m'aller plus loin. Même si tes enfants ne sont pas métis, même si ce sont des enfants noirs aussi. Moi j'ai une amie. Son père et sa mère sont africains. Je ne vais pas donner leur nationalité. Et c'est vrai, elle est née ici. Mais un jour elle me dit, non, moi je ne peux pas me mettre avec un Africain. Je dis, mais quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es africain, tu dis que je ne vais pas te mettre avec une Africaine. C'est quoi ce délire? Elle me dit non, c'est parce que les Africains écrivent trop. Machin, tu lui dis, mais tu es bête ou quoi? Écris plus que qui? En fait, c'est que c'est un travail psychologique qui avait été fait depuis le début. Je ne dis pas qu'elle doit forcément se mettre avec un Africain, je ne dis pas ça. Attention! Mais je dis quand même que c'est stupide, c'est grave qu'une Africaine dise qu'elle ne peut pas se mettre avec un Africain. Ça n'a pas de sens pour moi. Que tu dises que tu as une préférence, ok. Mais tu vas dire que tu ne peux pas te mettre avec un Africain, ça n'a pas de sens. Bon, en général, ce sont les femmes aussi. Je suis désolé, mais les femmes, en général, c'est elles qui tiennent les discours comme ça. En général, les hommes le disent, mais c'est très souvent les femmes. Et très souvent, donc, je lui ai dit ça. Et à chaque fois qu'on discutait, j'ai essayé de comprendre. Et avec le temps, quand elle a commencé à revoir sa position. Mais je suis sûr que ses parents, ils sont pour beaucoup. Parce que quelque part, ils ont dû dire des choses qui n'étaient pas forcément bien à l'endroit des Africains. Donc, ne dis jamais des propos dégradants en ce qui concerne l'Afrique lorsque tu es en face de tes enfants. Sixième clé, si jamais tu veux avoir une vie épanouie en Europe, c'est que le jour où tu peux prendre la nationalité, que ce soit française, italienne, espagnole, américaine, prends-la rapidement. Moi, j'entends quoi des gens dire que non, je suis camerounais, fier de l'être, non, je suis burkinabé, fier de l'être, je ne veux pas prendre la nationalité, mais moi, je trouve ça stupide. Dès que tu peux prendre la nationalité française, mon ami, prends, attrape ça avec demain. Oui, parce que on va dire ce qu'on veut. En attendant que le monde change, le monde est d'abord conçu de telle enseigne qu'en ce moment-ci, le passeport Bordeaux, le passeport français, c'est un passeport qui te permet d'aller dans le monde entier sans qu'on te casse les pieds. Alors que lorsque tu arrives avec ton passeport ndoulais, le passeport camerounais, là, ou bien je ne sais pas trop quoi, on te casse les pieds. Même pour quitter du Cameroun pour le Gabon, lorsque tu arrives avec ton passeport ndoulais, là, on te casse les pieds. J'en ai fait les frais lorsque je suis arrivé au Gabon l'année dernière pour une conférence. Moi, quand je suis arrivé avec mon passeport Bordeaux, eh bien, on m'a laissé passer sans problème. Mais lorsque l'autre conférencier, Rolly Kentach, arrivait avec le passeport ndoulais, on lui a demandé de s'asseoir là-bas à l'aéroport peut-être pendant une heure et tout, il a même payé des frais encore. C'est triste, mais c'est ça. Quand le Cameroun et le Gabon, même pour une question de passeport, on nous casse les pieds, mais c'est comme ça. Et c'est pire même encore lorsque tu dois voyager à l'étranger, on prend le passeport, quand on prend, on voit ton passeport ndoulais là, comme on dit, on prend ça, on vérifie, on check et tout, on te casse les pieds comme pas possible. Et puis même, quand tu prends la nationalité française, ça enlève quoi toi, sur toi si tu es gabonais? Ça enlève rien. Quand tu arrives au pays, tu fais quoi? Tes papiers, tu ranges, tu te débrouilles. On ne se voit pas que tu es camerounais ou gabonais ou je ne sais pas trop quoi. Ça se voit. Tu vas te casser les pieds. Donc moi, je rigole quand je vois des gens qui disent qu'ils ne veulent pas la nationalité française et machin. Mon ami, prends d'abord, ensuite tu verras. Ensuite, septième clé si jamais tu veux vraiment t'en sortir en Europe et avoir une vie épanouie, c'est que moi j'ai remarqué que l'un des drames de beaucoup d'Africains, c'est que lorsqu'ils arrivent en Europe, c'est très souvent uniquement pour chercher un emploi au lieu de créer des emplois. Ah oui, ma personne. Je comprends qu'au début, quand tu arrives, tu dois prendre tes marques, tu dois trouver un emploi pour pouvoir vivre, oui. Mais il faut que tu gardes à l'esprit que tu peux créer des emplois ici en Europe. Bien sûr, tu peux créer des emplois, il y a la place. Moi, ce matin, à l'instant où je fais cette vidéo, je suis allé me faire couper les cheveux. Et dans le salon dans lequel je suis allé, c'est une dame. Elle est camerounaise, c'est le hasard qui a voulu que ce soit une camerounaise, n'a pas calculé mon coût. Et qui employait, je crois, 4 ou 5 personnes dans son salon. J'ai trouvé ça génial. Elle est venue en France, elle a créé des emplois,
Et grâce à elle, il y a des Africains qui coupent des cheveux là-bas à d'autres Africains. Ils résolvent des problèmes des Africains. C'est très bien. Tu peux être en France, il y a un marché de la diaspora qui est super important, qui n'attend que ça, qui est prêt à consommer, qui a les moyens de consommer. Mais lance tes business ici. Crée des emplois. Il y aura des gens pour travailler. Et tu résous un problème pertinent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ne viens pas uniquement pour rester au rang d'employé, mais viens aussi pour créer des emplois. Ici, c'est possible. Et enfin, la huitième clé, si jamais tu veux t'en sortir en Europe de manière efficiente, c'est que, ça c'est une erreur que je vois beaucoup de gens commettre, moi je trouve ça stupide, c'est de vouloir d'arriver en Europe. Et tu n'as même pas encore lancé un business ici, mais tu veux déjà commencer à lancer tout de suite tes business en Afrique. Non, tu es arrivé en Europe. Après, si tu avais des business que tu pilotes, mais tu arrives en Europe, tu n'as jamais lancé un business. Mais une fois que tu arrives en Europe, comme le business a le vent en poupe, c'est tout le monde qui parle du business, eh bien, tu veux tout de suite lancer un business en Afrique. Pourquoi? Tu es en Espagne, tu es en France, lance déjà tes business ici. Apprends. Une fois que tu auras les informations, les compétences qu'il faut, tu pourras lancer un business en Afrique et le piloter à distance. Donc, tu n'arrives pas à piloter un business ici, quand toi-même tu es là, et tu veux piloter ça à distance, à des milliers de kilomètres. Cherchez l'erreur. J'ai une amie qui me contacte et me dit tous les jours lance les business en Afrique, ça foire. Mais lance déjà des business ici. Tu n'as même pas d'équilibre ici, tu veux lancer des business en Afrique. Pourquoi? Moi, je trouve aussi ça stupide de voir des gens qui vivent dans un appartement. Bon, je ne vais pas parler de ça. Mais bon, qui vivent dans des conditions vraiment misérables ici, mais qui montent des duplex en Afrique. Moi, je trouve que ça fait un non-sens. Ça n'a pas de sens. Arrange d'abord une vie assez décente ici et maintenant lance tes business sur place. Le business ne suffit pas, il y aura toujours de l'argent, il y aura toujours des problèmes. Donc tu auras toujours des opportunités de business à saisir. Mais trouve d'abord un équilibre ici. Et quand tu as trouvé ton équilibre ici, mon ami, lance tes business. Que font la majorité des gens lorsqu'ils vont lancer leur business en Afrique? En général, il y en a beaucoup qui ont déjà les CD ici bien au frais. Et maintenant, quand ils vont lancer leur business là-bas avec aussi le poids de la monnaie, eh bien, du coup, ils se disent, bon, si ça foire, tant pis, je viens ici, je continue mon boulot. Ou alors ils ont investi dans certains secteurs clés ici, notamment l'immobilier, de telle enseigne que même quand ils retournent s'installer là-bas, ils ont quand même de leur euro qui continue à rentrer dans leur compte bancaire ici. Quelqu'un qui rentre lancer son business en Afrique et qui ici là, il y a des revenus passifs qui s'élèvent à peut-être 1500 ou 2000 euros tous les mois et qui les par exemple en Afrique. Mais quand tu convertis 2000 euros en CFA, ça fait combien? Ça fait plus d'un million. Il vit décemment là-bas et il lance ses business. Plop! Donc ne sois pas bête. Je comprends qu'on veut que l'Afrique se développe. Mais pour que l'Afrique se développe, on aura besoin de personnes qui sont fortes sur le plan économique, qui sont surtout en santé. Et pour ça, il faut déjà que tu aies une vie rangée, stable et bien ici, en Europe. De ma personne, commence par lancer tes business ici. Donc, je vais récapituler les 8 clés si jamais tu veux mener une vie épanouie en Europe. 1. Savoir que tous les Noirs ne sont pas tes amis. 2. Vous n'êtes pas des Européens. Garde ça à l'esprit. Même si tu vis en Europe depuis ta naissance, tu n'es pas un Européen, tu es un Africain. 3. Vous n'êtes pas chez vous, tu n'es pas chez toi ici. Donc, pense déjà à te mettre un pied à terre en Afrique. 4. Quand tu viens en Europe, cherche vite à intégrer une communauté d'Africains. Ça va beaucoup t'aider. 5. Ne critique jamais l'Afrique et les Africains devant des enfants qui sont Africains, qui sont en bas âge. Pire encore, si ce sont les tiens. 6. Dès que tu as la possibilité d'avoir une nationalité française ou belge ou italienne, je sais pas trop quoi, chope là directement. C'est quelque chose qui va t'ouvrir beaucoup de portes. 7. Lorsque vous venez en Europe, ne venez pas uniquement pour être des employés, venez aussi pour devenir des créateurs d'emplois, pour peser sur le plan économique. Et enfin, 8. Avant de chercher à lancer un business en Afrique, cherchez d'abord à vous installer ici. Cherchez d'abord à vous faire place ici, sur place, en Europe. Il y a encore de la place pour les Africains qui veulent monter leur business en Europe. Donc, allez-y. Il y a des outils d'automatisation. Il y a tellement de choses à faire ici. Avec Internet, c'est juste magique et c'est possible. Donc, voilà ma personne. C'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Pour moi, c'était super important. J'ai commencé un peu plus à m'adresser à la diaspora. Si cette vidéo t'aura été utile, n'hésite pas à dire en description, en commentaire, lequel de ces conseils t'aura été le plus utile. Afin que je puisse savoir qu'on est ensemble. C'était Valère Belias, le chercheur d'argent. Et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.